Merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, Mme Michèle Boisvert, première vice-présidente rayonnement des affaires à la Caisse de dépôt et de placement du Québec. Mme Diane Chesnay, présidente de Progie et membre du conseil d'administration de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Mme Sylvie Rioux, vice-présidente de développement Andromédia Technologies. Mme Chantal Trépanier, présidente directrice générale de Conibox. Messieurs, parce qu'on a des messieurs également, alors messieurs Marc Duhamel et Étienne Saint-Jean, qui sont tous deux professeurs à l'école de gestion et chercheurs à l'Institut de recherche sur les PME. Chers collègues, mesdames et messieurs, tout un événement aujourd'hui. Je vous souhaite la plus cordiale des bienvenues à ce dîner-conférence sur l'entrepreneuriat féminin, au cours duquel on abordera les perspectives régionales, provinciales et internationales. Cet événement est organisé par notre Institut de recherche sur les PME, en collaboration avec la Caisse de dépôt et de placement du Québec, et à l'initiative de sa première vice-présidente, Mme Michèle Boisvert, que nous avons avec nous aujourd'hui. Vous le savez, la Caisse de dépôt est un partenaire important de l'Université du Québec à Trois-Rivières, puisqu'elle a conjointement avec la Fondation de l'UQTR, dont je salue le président et son directeur général, qui sont avec nous ce midi, soutiennent financièrement la création du Carrefour d'entrepreneuriat et d'innovation, qui est rattaché au service aux étudiants. La Fondation et le Carrefour, vous l'aurez deviné, sont également partenaires de ce dîner-conférence, aux côtés de la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières, de la Chambre de commerce et d'industrie de Shawinigan, de Femmes Essor, de même que des sociétés d'aide au développement des collectivités, des centres de la Mauricie, de Masquinongé et du Haut-Saint-Maurice, dont j'ai rencontré et j'ai vu plusieurs personnes qui sont présentes ici ce midi. Cette simple énumération montre clairement que l'on est de plus en plus conscient de l'importance du sujet abordé aujourd'hui. De fait, la moitié de l'humanité dont il est question a autant de talents, et elles vous diront probablement plus que l'autre moitié, pour créer des entreprises, les gérer et les faire fructifier. D'ailleurs, elles sont souvent plus actives, plus engagées et plus déterminées. J'avais quelques données à vous donner, mais comme on a un petit peu débordé sur le temps, je vais tout simplement les escamoter, parce que je sais que vous allez y revenir de toute façon au niveau des études qui ont été faites. Et je veux simplement vous dire que, au niveau de l'Université du Québec à Trois-Rivières, nous sommes extrêmement fiers d'avoir pu tenir sur nos lieux cet événement aujourd'hui avec un panel aussi prestigieux et aussi intéressant. Alors, sans plus tarder, je remercie les panélistes. Je ne vais pas plus loin sur mon discours parce que ce n'est pas moi que vous êtes venu entendre, ce sont ces gens. Merci. Rapidement, pour vous expliquer comment ça va fonctionner, les trois invités qui sont des chercheurs, Mme Boisvert, bon, qui représente la Caisse de dépôt aujourd'hui, évidemment, et les deux chercheurs de l'Institut sur les PME, vont présenter des recherches très différentes les unes des autres sur l'entrepreneuriat féminin. Oui, il y a des avancées, oui, il y a des pistes de solutions, il reste toujours du chemin à faire. Alors, on va discuter de ça avec nos experts. Et par la suite, on va discuter avec les panélistes. Elles ont des parcours très différents. Elles sont toutes très inspirantes, vous allez le voir. Elles ont relevé des obstacles, évidemment, chacune dans leur parcours personnel, et on va pouvoir échanger avec elles. Vous allez pouvoir le faire également, poser des questions. Alors d'abord, on va écouter nos trois experts. Par la suite, je vais vous présenter en détail les panélistes, et vous pourrez participer. Il va y avoir des micros dans la salle. Deux personnes qui seront là pour aller chercher vos questions. Vous lèverez la main. On est dans une université, alors ça va de soi ici. Et moi, je me promènerai à l'avant. Pour les gens qui se joignent à nous, n'hésitez pas à venir à l'avant. Il n'y a pas vraiment de place réservée. Il reste de bonnes places pour assister à l'échange. Alors, sans plus tarder, nous allons d'abord écouter Mme Michèle Boisvert de la Caisse de dépôt et placement du Québec. J'ai oublié de me présenter. Je fais toujours ça. Barbara Leroux, je suis là. Très heureuse d'être avec vous, d'ailleurs. Animatrice à la radio de Radio-Canada, à Facteur matinal. Passez un bel événement. Mme Boisvert. Alors donc, bonjour à tous, bon midi, je suis vraiment ravie d'être ici, je suis ravie de voir qu'il y a
autant de gens. Ce n'est pas ma première visite à Trois-Rivières, mais je pense que c'est la première fois que je suis accueillie par autant de monde. Le recteur l'a dit, la Caisse est très impliquée au niveau de l'entrepreneuriat et de l'entrepreneuriat chez vous. Je parlais déjà aux gens de la Fondation pour me dire à quel point il y avait des beaux projets. Pourquoi donc la Caisse est ici avec d'autres chercheurs pour parler de l'entrepreneuriat? Bien, parce que la Caisse a fait de l'entrepreneuriat une priorité. Donc, avant de vous parler de ce qu'on fait en entrepreneuriat, juste un bref rappel de ce que c'est que la Caisse, parce que ce n'est pas tout le monde qui connaît très bien. Donc, la Caisse de dépôt et placement du Québec a été fondée en 1965, donc plus de 50 ans d'existence. Elle a été fondée, c'était très innovant, c'était pour se doter d'un outil pour notre développement économique. Double mandat, ce qui est très, très original, et encore aujourd'hui, on est un des rares fonds de pension à avoir ce double mandat, c'est-à-dire, oui, aller chercher du rendement optimal pour nos déposants, et on le fait très bien. Vous voyez, sur 5 ans, c'est 10,6 % de rendement. Pour nos déposants, on doit aller chercher à peu près 6. Donc, on dépasse donc, la cible de rendement pour nos déposants et contribuer au développement du Québec. Et ça, je vais vous raconter comment on fait pour contribuer au développement de l'économie du Québec. Mais au 30 juin, l'actif sous gestion de la Caisse de dépôt était de tout près de 287 milliards de dollars. Vous voyez donc en 50 ans le chemin qui a été parcouru. Et ça, bien, ça fait de nous le deuxième plus grand fonds de pension au Canada et un des 10 plus grands dans le monde. Donc, je pense qu'on a de quoi être fiers. Et aujourd'hui, on a entamé une diversification à l'international. On a maintenant 9 bureaux à l'international. Au Québec, donc, on a commencé 1965, Révolution tranquille. Il faut financer des routes, il faut financer des hôpitaux, il faut financer des écoles. Donc, le gouvernement du Québec émet beaucoup d'obligations et a de la difficulté à les mettre sur les marchés réguliers. La Caisse, un de ses premiers gestes, a été d'acheter des obligations du Québec pour permettre donc l'essor de ce Québec moderne. On est passé des obligations à l'achat d'actions d'entreprises qui sont aujourd'hui nos champions, les CGI, WSP, Cascade. Et très souvent, les gens pensent que la Caisse, ce n'est que ça, une entreprise située à Montréal qui investit dans les grandes entreprises. Ce qui n'est pas le cas, et c'est ce que je veux montrer par la diapositive qui est là, on est surtout maintenant dans le secteur privé. On a 40 milliards de dollars d'investis au Québec, mais essentiellement dans des PME. Pour un portefeuille de 700 entreprises, bien, c'est 550 entreprises qui sont des PME de toutes les régions du Québec. On en a chez vous. On investit, on a toutes sortes d'outils pour investir, de telle sorte qu'on est à tous les stades de développement, dans tous les secteurs et toutes les régions du Québec. Pourquoi c'est important pour nous d'être très investis auprès des PME? Parce que quand on dit qu'on a un mandat de contribuer au développement économique du Québec, si on n'investissait pas dans les PME, on ne ferait pas notre rôle, parce que l'économie du Québec est une économie de PME. 99,8% des entreprises au Québec sont des PME de moins de 500 employés. Mais quand on décortique cette statistique-là, on s'aperçoit que 72,8, donc les deux tiers, sont des PME de moins de 10 employés. Donc, on est pas mal dans le M. Et là, on est dans le petite entreprise, parce que plus de la moitié ont moins de 5 employés. Donc, c'est pour ça que la Caisse, oui, on investit, mais on accompagne aussi beaucoup les entreprises dans leur croissance. On est convaincus que le Québec a besoin de plus d'entrepreneurs, mais aussi, on doit aider les entreprises à passer de la petite à la moyenne à la grande, parce que ce sont les entreprises en croissance qui investissent le plus en recherche et développement et qui créent entre 40 et 60 % des nouveaux emplois. Donc, la priorité de la Caisse, c'est d'accompagner nos futurs champions et de mettre en place des initiatives pour stimuler l'émergence de nouveaux entrepreneurs. La Caisse, justement, parce que ça fait 50 ans qu'on existe, parce qu'on a la taille que l'on a donc un réseau de partenaires que l'on fait bénéficier aux entreprises qui sont en portefeuille dans lequel on investit. Je parlais d'investissement, mais on a aussi donc décidé, il y a de cela 4 ans, de faire de l'entrepreneuriat une priorité parce qu'on se rendait compte que ce sont les entrepreneurs qui créent la richesse. Ce sont eux qui innovent le plus, qui créent des emplois. On a donc lancé, il y a de cela 4 ans, une initiative qui s'appelle Innover Agir, où on avait demandé à une quarantaine d'entrepreneurs de toutes les régions du Québec, des hommes, des femmes, tous les secteurs, de nous dire qu'est-ce qui, selon eux, devait être mis en place pour doter le Québec d'une culture entrepreneuriale forte. Ils nous ont donné un certain nombre de priorités, la Caisse s'est engagée à les lancer. Et ça, ben,
Il y a la caisse qui a fait donc de l'entrepreneuriat une priorité. Il y a plusieurs autres acteurs qui ont dit, on le sent en ce moment. Et ce qui est intéressant de voir, c'est que tous ces efforts-là portent fruit. On voit, bon, il y a l'indice entrepreneurial québécois. D'ailleurs, je vais vous parler de certaines des statistiques de cet indice-là. Ça fait depuis 2009, la Caisse supporte beaucoup cet indice-là. On va tâter les intentions d'entreprendre. En 2009, pour la population générale, 7 % des gens disaient avoir l'intention d'entreprendre. Bien, en 2017, ça a triplé. On est rendu à 21 % et moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que les gens, vous, les jeunes, les 18-34 ans, bien, c'est passé de 15 à 41 %. Ça veut donc dire qu'un jeune sur deux, chez vous, peut-être que je demanderais même de lever la main aux jeunes, là, qui parmi vous pense éventuellement lancer une entreprise, bien ça, c'est vraiment phénoménal. C'est extrêmement encourageant. Maintenant, il faut accompagner ceux qui font le grand saut, parce que sur 41 %, il y en a peut-être 15 qui vont véritablement se lancer. Mais moi, je pense que tous les efforts qui ont été faits depuis quelques années portent fruit et on sent une effervescence entrepreneuriale. On le sent chez vous, on le sent à Shawinigan, on le sent un peu partout au Québec, je me promène partout. Et ça, c'est quelque chose qui me fait vraiment plaisir. Ce qu'on veut faire à la Caisse, c'est un peu ce qu'on a fait pour l'entrepreneuriat en général, mais le faire pour l'entrepreneuriat féminin. Pourquoi on a décidé de faire de l'entrepreneuriat féminin aussi une priorité, c'est qu'on croit profondément dans la diversité et que, ben, en ce moment, le nombre de femmes, on parlait de 50 % de femmes de la population active, ben, il n'y a pas autant de femmes entrepreneurs. Il y a un écart qu'on doit combler. On voit pour l'ensemble des propriétaires, c'est 6,2 femmes, c'est-à-dire il y a à peu près 40 % d'entrepreneurs féminins. Moi, ce que j'aime, et ce sont justement ces statistiques qui sont tirées de l'indice entrepreneurial, c'est que quand on regarde, oui, chez la population plus âgée, c'est 34 % de femmes. Mais quand on s'en va vers les plus jeunes, il y a vraiment un phénomène de rattrapage. C'est 42,6 % des 18-34 ans qui sont des femmes propriétaires. Et ce qui est encore plus encourageant, c'est qu'on est allé chercher les statistiques pour les nouvelles entreprises, celles qui ont été lancées en 2017, et là, c'est égal. Et je parlais justement avec les gens de la Fondation de l'entrepreneurship qui me disaient, c'est exactement ce qui se passe chez nous. Nos étudiants, c'est égal, autant hommes que femmes. J'étais à l'Université Laval, où là aussi, on a donné un coup de pouce à une académie entrepreneuriale. On me dit, chez les étudiants, c'est égal, hommes, femmes. On travaille beaucoup en équipe, ça collabore beaucoup. Donc, moi, ça, c'est quelque chose qui m'encourage énormément. Quand je regarde la jeune génération, je pense que, et là-dessus, je pense que Chantal sera d'accord avec moi, la différence homme-femme, c'est plus de cette façon-là qu'on regarde l'entrepreneuriat. Certaines données intéressantes également de cette étude de l'indice entrepreneurial, on le sait, que ce soit chez les hommes ou chez les femmes, de fait de venir d'une famille d'entrepreneurs favorise l'élan entrepreneurial. Ce qui est intéressant, c'est qu'on s'est aperçu que chez les femmes, c'est encore plus fort. Et je me promène beaucoup, je vous l'ai dit, je vois beaucoup de femmes qui prennent la relève de l'entreprise familiale. J'en vois beaucoup, 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 beaucoup. Et c'est peut-être là une avenue fort intéressante pour l'entrepreneuriat féminin. Faire des études universitaires, on est dans une université, voilà, il fallait donc en parler. Ça aussi, tant hommes que femmes, ça augmente de 29 % la probabilité de se lancer en affaires. Plusieurs entrepreneurs vont vous dire, mes études ne m'ont pas vraiment aidé à devenir entrepreneur, mais m'ont donné une base très solide pour être un meilleur entrepreneur. Les entrepreneurs, ce n'est pas monolithique. Souvent, on parle justement, même moi, je dis les entrepreneurs, mais on n'est pas tous entrepreneurs de la même façon. On n'a pas tous les mêmes ambitions. On n'a pas tous la même tolérance au risque. Et donc, on a divisé, bien, c'est-à-dire les chercheurs ont divisé les entrepreneurs en 4 catégories. Et les critères, les variables, c'était est-ce qu'on a des emplois, et est-ce qu'on est à l'international ou non. Et là, on s'aperçoit qu'on a discriminé. Donc, chef de file, c'est on a des emplois, des employés, et on est à l'international. Enraciné, on a des employés et on reste sur la scène locale. Et vice-versa. Donc, on s'aperçoit, il y a... Ce qu'on voit, c'est que ce n'est pas toutes les entreprises qui veulent croître. Et ça, le 10 %
C'est à peu près comme ça partout dans le monde. Et chez les femmes, ben, c'est 8,7%. On n'est pas très loin de la population générale. Donc, on a un certain nombre de femmes chefs de file. On a un certain nombre de femmes enracinées. Là où il va falloir peut-être faire un peu de travail, c'est qu'il y a encore beaucoup de femmes travailleurs autonomes. C'est-à-dire qu'il y a un employé, puis ils sont, en fait, ils font ça souvent, soit de chez elles. Mais il y a vraiment un élan chez les femmes entrepreneurs. Et lorsqu'on se compare, l'écart n'est pas si grand que ça. Et moi, ce que j'aime, justement, et ça, plusieurs études le disent, lorsque les femmes sont entrées dans le cycle entrepreneurial et qu'elles sont dans des entreprises en croissance, elles ont les mêmes ambitions, la même volonté de croissance, la même volonté d'innover que les hommes. Et ça, il y a une autre grande étude de l'Université de Sherbrooke, pour une entreprise de même taille et dans un même secteur, que ce soit une entreprise à propriété féminine ou masculine, ce sont les mêmes intentions. Donc, je pense que les femmes, souvent, on se discrédite quand on n'y est pas. Il y a eu beaucoup de recherches qui ont été faites là-dessus. Quand on n'est pas dans la chaîne entrepreneuriale, on se dit « Ah non, c'est pas pour nous. » Ben, je vous en reparlerai plus tard de qu'est-ce que je pense par rapport à ça. Mais une fois qu'on y est rentré, là, tout à coup, on s'aperçoit qu'on est aussi bonne. Et une fois qu'on est vraiment en croissance, je pense qu'il n'y a plus de barrières et on le voit, les différences ne sont plus là. Alors, donc, en résumé, jeunes entrepreneurs, davantage de femmes chez les 18-34, donc un effet de rattrapage et, je le disais tout à l'heure, quelque chose de très, très encourageant lorsqu'on regarde la population étudiante. Alors, merci beaucoup et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Moi, ce que je voulais présenter, c'est que Michel vient de présenter vraiment un portrait très, très québécois. Hein. On a fait la comparaison femmes, entrepreneuriat féminin, entrepreneuriat masculin au Québec. Moi, ce que je voulais, c'était contextualiser un petit peu ce rapport-là, femmes-hommes, mais dans un contexte provincial, donc un contexte par rapport aux autres régions du Canada et également international. Donc, effectivement, ce qu'on remarque, c'est que le déficit, ce qu'on observe, c'est-à-dire que l'élan entrepreneurial, la volonté de faire le saut en entrepreneuriat chez les femmes, en fait, ce déficit-là, il est présent au Québec, mais il est présent également dans toutes les autres économies et dans les autres provinces canadiennes. Et quand on s'interroge par rapport à l'élan entrepreneurial masculin, comment se comparent les femmes, bien effectivement, même s'il y a eu des progrès dans les dernières années, il y a encore il faut trouver une façon d'augmenter le rang du Québec par rapport aux autres économies développées. Et donc, la question qui se pose, naturelle, hein, à chaque fois qu'on se pose cette question-là, c'est qu'est-ce qui empêche les femmes de faire le saut? C'est là une des premières hypothèses, celle qui est souvent mesurée et celle que nous, on mesure à travers notre enquête du Global Entrepreneurship Monitor qui se fait à travers le Canada et dans le monde, mais que nous, on pilote pour le Québec. C'est qu'on regarde souvent le sentiment de compétence et d'expérience suffisante pour faire le saut en entrepreneuriat. Et là, effectivement, quand on regarde l'indice qui est publié là, dans notre rapport année après année, ici, il est compilé pour les 4 dernières années, en fait, on se rend compte qu'effectivement, le Québec est un peu en retrait dans les femmes, les Québécois se sentent un peu moins compétentes et on juge leur expérience un peu moins pertinente pour partir dans un projet entrepreneurial. Ce qu'on montre dans le petit document, le bulletin qu'on vous invite à télécharger, là, qui va être diffusé sur le site Facebook et ainsi de suite, c'est qu'on montre par contre que si on s'intéresse vraiment au ratio femmes-hommes, bien, en fait, le Québec, même si les femmes, les Québécois se sentent relativement, ont un écart par rapport aux hommes en termes de compétences et d'expérience suffisantes, en fait, par rapport aux hommes, les Québécois se comparent relativement avantageusement aux femmes des autres provinces canadiennes. Donc, ce qu'on observe, c'est qu'effectivement, à part la Colombie-Britannique, où les femmes se sentent généralement plus compétentes que les hommes, OK, en Colombie-Britannique, dans le restant du pays, c'est les Québécoises qui, par rapport aux hommes, se sentent le plus compétentes. Et donc, ça l'a, pour moi et Étienne, ce que ça nous a posé comme question, c'est bien, est-ce que ça se transforme, ce sentiment-là, ce sentiment relatif-là de compétence et d'expérience, est-ce que ça se transforme dans un
potentiel de croissance et de performance économique supérieure de la part des femmes entrepreneurs relativement aux hommes encore. Et encore une fois, que ce soit dans la vente de produits innovants, donc des entrepreneurs dont la majorité de leurs clients jugent que les produits qui sont offerts sont des produits innovants, ou même dans l'utilisation de technologies très récentes, là, des technologies qui datent de moins d'un an ou même qui ont été développées à l'intérieur des 5 dernières années, bien encore une fois, les Québécoises qui font le saut en entrepreneuriat s'évaluent relativement favorablement par rapport aux autres Canadiennes. Donc, il y a un retard à combler, effectivement, par rapport aux hommes, mais par rapport aux femmes des autres régions et des autres régions dans le monde, effectivement, les femmes performent très, très bien au Québec. Et donc, ça pose la question, qu'est-ce qui empêche les femmes, justement, de faire le saut? Bien, trois choses qu'on voulait proposer, là, qu'on souligne dans le bulletin et qu'on va surveiller, nous, au cours des prochaines années à travers l'enquête du Global Entrepreneurship Monitor. C'est une des choses qui a été relevée, justement, hier dans la publication par le Conseil canado-américain sur l'avancement des femmes entrepreneurs et chefs d'entreprise. C'est vraiment cet équilibre-là, cette perception d'avoir besoin d'un meilleur soutien, équilibre travail-famille ou équilibre entrepreneuriat-famille, tout dépendant de comment vous voulez l'appeler. Ce qu'on remarque, hein, c'est généralement, puis moi, j'ai vécu quand même en Colombie-Britannique, j'ai vécu en Ontario, au Nouveau-Brunswick, puis au Québec. En général, quand on est au Québec, on dit qu'on a quand même des bons services pour l'équilibre travail-famille, les CPE, les services de garde et ainsi de suite. Mais quand on regarde quand on demande aux entrepreneurs comment elles évaluent leur capacité et le temps qu'elles ont pour faire cet équilibre travail-famille-là, bien, les femmes au Québec sont loin derrière, en fait, les restants des provinces canadiennes. Et donc, il reste à travailler, on pense, peut-être que la conciliation travail-famille, elle est bien adaptée pour les femmes employées au Québec, mais il faut peut-être se poser la question, est-ce que c'est adapté à la nature d'un travail entrepreneurial? Et ça, dans le bulletin, on pose cette question-là. Dans les choses qu'on pense qui sont à surveiller dans les prochaines années, ce qu'on veut vraiment, c'est un secret de polichinelle, le Québec a le taux de chômage le plus bas, des creux historiques, et ça va causer de la pression à la hausse sur les salaires. Malheureusement pour l'entrepreneuriat, une hausse des salaires veut dire que c'est peut-être un peu plus, une femme va évaluer de manière un peu plus risquée peut-être un projet entrepreneurial par rapport à la sécurité que pourrait offrir un emploi à temps plein ou un emploi à temps partiel, surtout si le salaire, la rémunération est à la hausse. Et donc, on pourrait penser que l'entrepreneuriat pourrait être à la baisse dans les prochaines années avec le resserrement du marché du travail. Par contre, qu'est-ce qu'on remarque, c'est quand on voit qu'au Québec, il y a une émergence de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat hybride. Donc, c'est des entrepreneurs qui sont payés à temps plein par une entreprise, mais qui œuvrent et qui possèdent, qui dirigent et gèrent une entreprise qui leur appartient. Bien, les Québécoises sont les championnes toutes catégories, dépassent tous les hommes dans toutes les provinces canadiennes, okay, de ce qu'on appelle l'entrepreneuriat hybride. Et donc, ça serait peut-être une façon pour les femmes, avec le resserrement du marché du travail, les salaires qui sont un peu plus élevés, pour les femmes de développer ce sentiment de compétence, développer l'expérience, justement, pour leur permettre éventuellement de faire le saut de plein pied et de transiter vers l'entrepreneuriat à temps plein. Donc ça va être une chose qu'on va surveiller dans les prochaines années parce qu'on pense que c'est une transformation des conditions du marché du travail. Puis il faut réaliser que ce n'est pas évident pour une entreprise de permettre à ses employés d'avoir des projets entrepreneuriaux. Et donc, on va voir comment est-ce que ça va se régler sur le marché du travail dans les prochaines années. Dernier point que Michel a soulevé, on pense bien de façon évidente que le vieillissement de la population au Québec, ça fait rétrécir la population active. Donc, le bassin de relève entrepreneuriale féminine, il croît de moins en moins. Donc, la qualité de cette relève-là devient un aspect très, 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 très important. Une chose également qu'on sait, c'est que pour mitiger un peu les effets du marché du travail et du ralentissement de la croissance du bassin de relève entrepreneuriale féminine, on sait qu'au Québec, hein, on va être dans les prochaines années, à cause du vieillissement de la population, les champions du repreneuriat. Il y a un paquet d'entreprises qui sont prêtes en fait à être transférées à des
à des entrepreneurs ou peut-être des entrepreneurs hybrides ou des choses comme ça. Et là, on peut voir qu'effectivement, au Québec, quand on se compare par rapport au Canada, il va y avoir des opportunités repreneuriales beaucoup plus importantes pour les femmes au Québec que pour les femmes ailleurs au Canada. Et donc, on pense que le marché, tous ces différents facteurs-là, soulève vraiment la question. Il faut vraiment encourager, donner comme on a un panel assez remarquable aujourd'hui, là, de donner des exemples à cette relève entrepreneuriale-là. Il faut trouver des façons d'encourager les femmes vraiment à entreprendre cette carrière entrepreneuriale-là, parce que la recherche, là, puis là, je vous épargne toutes les autres études qui sont publiées et qu'on suit, soulève vraiment l'importance d'encourager les femmes, parce que, essentiellement, vous êtes le groupe de la population le plus important, hein? Et deuxièmement, vous êtes le niveau de scolarité et la qualité, les compétences des femmes dans nos études, celles qui font le démarrage en entrepreneuriat, elles n'ont absolument rien à envier à quiconque et surtout pas aux hommes. Et donc, c'est très, très, très important d'encourager et de faire savoir aux femmes que la carrière entrepreneuriale, c'est vraiment quelque chose de potentiellement vital. Pas juste pour elles, pour assurer leur sécurité, leur bien-être, ainsi de suite, mais c'est particulièrement important pour l'économie du Québec et la croissance, le développement économique au Québec. C'est tout. Un beau mot d'espoir. On va maintenant écouter M. Étienne Saint-Jean. Alors, bonjour à tous et à toutes. Je vais vous présenter, vous avez vu tantôt, Michel Boisvert a présenté des données du Québec au niveau de l'entrepreneuriat féminin. Marc a contextualisé en présentant la situation du Québec par rapport aux autres provinces, mais également aux autres pays d'Allemagne. Alors moi, je vais vous présenter les résultats d'une étude qui a été faite en Mauricie. Donc, c'est une étude qui a été faite en collaboration d'abord avec la professeure Claudia Pelletier, qui a co-rédigé le rapport en tant que tel, mais qui a été commandée dans le cadre d'une étude qui a été commandée donc par la SADC du Centre de la Mauricie et également par Femmesor Mauricie dans le cadre d'une subvention de Conditions féminines Canada. Essentiellement, cette étude-là, c'était une étude de contexte qui permettait de faire le point sur les différences entre les hommes et les femmes dans la gestion des PME. Et c'était fait, évidemment, en Mauricie. Et l'objectif de ça, c'était de voir s'il y avait effectivement des différences qui étaient marquées et, le cas échéant, sur quel levier on pouvait jouer pour pouvoir encourager les femmes à faire croître leur entreprise. Alors, c'était le contexte de l'étude. On a fait ça à l'automne 2015. L'étude, en tant que telle, elle a été diffusée en 2016 avec les partenaires. On a eu 285 dirigeants de PME de la Mauricie qui ont répondu à l'enquête. Il y avait des hommes et des femmes, évidemment. Et c'était dans différents secteurs d'activité avec différents profils d'entreprises, différents profils d'entrepreneurs. Donc, un échantillon relativement représentatif de notre tissu industriel en Mauricie. Et une des difficultés quand vient le temps d'essayer de voir s'il y a des différences entre les hommes et les femmes dans la gestion de leur entreprise, c'est que fondamentalement, il y a beaucoup de femmes qui démarrent des entreprises différentes que celles des hommes. Le cas classique, il y a beaucoup plus de femmes, par exemple, qui sont dans les secteurs du commerce de détail et du service à la personne qu'il y a d'hommes. Et il y a beaucoup plus d'hommes dans les secteurs manufacturiers et souvent de haute technologie que de femmes. Et là, le problème, quand on compare, sans essayer de comparer des pommes avec des pommes, c'est qu'on dit, bien, les hommes sont plus tournés vers la techno. Bien, oui, bien, ils sont plus dans le manufacturier puis ils ont davantage d'entreprises technologiques qui démarrent. Alors, pour être capable de comparer des pommes avec des pommes, ce qu'on a fait, c'est qu'on a tenu constant un certain nombre de facteurs. L'âge de l'entrepreneur, parce qu'on sait très bien que plus il avance en âge, bien, moins il va peut-être vouloir mettre des projets de croissance, il va penser plus à sa retraite puis à céder son entreprise. La scolarité également, la taille de l'entreprise, le secteur d'activité qui est important dans les différents hommes-femmes, puis la forme juridique. Donc, une fois tenu constant ces différents éléments-là, donc on pouvait comparer des pommes avec des pommes. Ce qu'on s'est aperçu, je ne l'ai pas mis dans les diapos, mais en fait, ce qui fait les retenir de ce rapport-là, c'est que fondamentalement, il n'y avait pas tant de différence entre les hommes et les femmes une fois qu'on tient constant tous ces facteurs-là. Autrement dit, une fille qui démarre dans le commerce de détail ressemble beaucoup à un gars qui démarre dans le commerce de détail, toutes choses étant égales.
Alors donc, quand on compare les hommes avec les femmes puis qu'on ne tient pas constant ces éléments-là, bien souvent, on entretient un certain nombre de préjugés en disant bien, les femmes ont moins de volonté de croissance, voilà, bien, elles sont dans le secteur de détail ou dans le service à la personne. L'internationalisation, quand tu gères un salon de coiffure ou que tu as un commerce de détail très local, c'est un peu plus difficile. Donc, il faut vraiment comparer les choses ensemble correctement. Donc, globalement, il n'y avait pas tant de différences. Je vais quand même vous présenter les différences qu'on a obtenues pour vous permettre aussi de voir sur quoi on peut travailler pour la suite. Une des choses qu'on a réalisées, c'était que autant les hommes que les femmes voyaient la croissance de manière plutôt positive. Donc, il y avait comme une volonté de croissance partagée autant par les hommes et par les femmes. Par contre, quand on demandait de combien le chiffre d'affaires vous voulez qu'il évolue dans les prochaines années, les femmes avaient un peu moins d'ambition que les hommes. Donc, une croissance annuelle souhaitée des femmes, c'était 11,48 % de croissance annuelle souhaitée. Les hommes disaient 17,98 %. Donc, il y avait un 7-8 % de plus d'ambition souhaitée chez les hommes, une fois tenu constant, tous les autres facteurs. Les PME des femmes en Mauricie avaient une croissance un peu plus faible que celle des hommes. C'est logique, elles déclarent avoir un peu moins d'ambition de croissance. Forcément, elles risquent de mettre moins l'emphase sur des projets de développement que les hommes. Et de fait, ce qu'on observait, c'est une croissance annuelle moyenne de 7,55 % pour les entreprises détenues par les femmes et de 16,15 % pour les entreprises détenues par les hommes. C'est presque du simple au double. Il y a donc un 8 % d'écart entre les hommes et les femmes. On s'est posé la question, bien, comment ça, dans le fond, que les femmes ont moins d'ambition? Comment ça, les femmes vont moins mettre de l'avant des projets de croissance? Et une des choses qui est ressortie dans l'étude, parce qu'on demandait aux hommes et aux femmes dans quelle mesure vous êtes en charge, c'est vous qui êtes en charge ou c'est davantage votre conjoint qui est en charge des tâches ménagères? Et donc, c'était évidemment toutes les tâches, allant de préparer les repas jusqu'à la gestion des enfants, s'il y a lieu. Et on s'aperçoit, ça c'était unanime, les femmes vont déclarer faire plus de tâches dans la maison que les hommes. Et les hommes sont tout à fait conscients, disent qu'effectivement, c'est leur femme qui en fait plus. Donc, personne ne s'astine. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est surpris dans la salle? Bon. Et au-delà des tâches, parce que là, on pourrait dire les jeunes générations, les hommes sont davantage impliqués, et ainsi de suite, dans les tâches pour élever les enfants, puis ainsi de suite. C'est vrai, l'écart n'était pas très grand quant à l'investissement supplémentaire des femmes, mais néanmoins, il en demeure pour moi que la charge mentale, hein, le fait que, par exemple, si vous me demandez à moi c'est quand le prochain rendez-vous chez le dentiste de mes enfants, je vais dire demander à ma femme, elle le sait. Je ne sais pas trop. Okay? La charge mentale, c'est cette idée-là que les femmes vont gérer et vont se préoccuper d'un paquet de choses que les hommes vont dire « demande à ma femme » essentiellement. Et donc, cette charge mentale-là, bien, ça a un effet. Ce qu'on a observé, c'est que les femmes vont travailler 5 heures de moins dans leur entreprise que les hommes. OK? Et ce n'est pas banal, parce que ce nombre d'heures travaillées de moins a un impact sur d'autres choses qu'on va voir un peu plus tard. Donc, 5 heures de moins en moyenne par semaine. Et donc, on demandait également, puis Marc l'a soulevé, les questions de conciliation travail-famille. Est-ce qu'il y a des différences hommes-femmes? On n'a pas vraiment vu de différence une fois qu'on contrôlait pour plein de choses. Mais il faut tenir compte d'une chose, c'est que si elles travaillent 5 heures de moins par semaine que les hommes, c'est sans doute une façon de concilier les choses qui concernent la famille. Donc, au final, elles travaillent moins et elles se disent équitablement satisfaites que les hommes, mais ça a impliqué qu'elles décident de travailler moins sans doute. OK? Un des impacts du nombre d'heures travaillées par semaine, c'est le nombre d'activités d'innovation que les femmes ont mis de l'avant dans leur PME. Donc, elles passent moins de temps à développer les affaires, elles ont moins l'ambition de croissance et forcément, elles vont moins chercher à innover au sein de l'entreprise. Ce n'est pas marqué de manière très grande, mais c'est des petites différences qui sont significatives. Puis finalement, un élément peut-être en lien justement avec l'innovation, une chose qu'on a observée, les femmes, une fois que l'entreprise est démarrée, s'estiment autant compétentes que les hommes. Okay? Quand l'entreprise n'est pas démarrée, puis on leur demande, comme Marc le soulevait, quand l'entreprise n'est pas démarrée, elles pensent qu'elles ne sont pas capables d'être dans l'entrepreneuriat. Mais une fois qu'elle est démarrée, l'entreprise, elles réalisent qu'elles sont bonnes pour faire de l'entrepreneuriat. La seule différence qu'on a observée au niveau du sentiment de compétence, c'est au niveau de l'utilisation et l'implantation des nouvelles technologies et des outils informatisés. C'est la seule différence. Et donc, on pense que ça a un effet sur les activités d'innovation, parce que forcément, si on implante des nouvelles technologies, bien, il y a beaucoup plus de chances donc, qu'on soit innovant dans notre entreprise et qu'on puisse se démarquer des concurrents.
Et donc, les pistes de réflexion qui étaient sorties dans ce rapport-là, ils étaient diverses, puis évidemment, il y a eu des retombées des praticiens et des gens de la SADC, femmes et sœurs, qui ont mis en place donc des activités pour soutenir le potentiel de croissance des femmes entrepreneurs. Mais nous, comme chercheurs, ce qu'on avait observé, et des choses que je pense qu'il reste à travailler encore au Québec, c'est vrai en Mauricie, mais je pense que c'est vrai au Québec, c'est de poursuivre, dans le fond, une démarche vers l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. Les tâches, ça se divise relativement bien. La charge mentale, il y a encore une charge mentale supérieure auprès des femmes, auprès des hommes. Et ça semble avoir un impact dans le développement des PME, parce qu'elles vont travailler moins et elles vont vouloir aménager leur horaire pour pouvoir justement concilier travail-famille. Quand on voit que le seul élément distinctif au niveau du sentiment de compétence touche des éléments de technologie et qu'il y a une tonne d'études qui montrent qu'il y a des stéréotypes de genre à l'égard de la technologie, il y a des études qui ont montré, par exemple, que dès l'âge de 6 ans, les jeunes filles s'estimaient moins bonnes que les garçons au niveau des mathématiques, au niveau de tous les trucs qui touchent la technologie et l'ingénierie. Bien, on sait qu'il y a des stéréotypes de genre sur lesquels on peut jouer et qui peuvent avoir un effet éventuellement sur le développement des PME quand ces femmes-là deviendront des entrepreneurs à leur tour. Et également, le dernier élément, encourager les femmes qui sont en affaires à faire preuve d'ambition, avoir un maximum de modèles de rôle à cet égard, donc des femmes qui en ont mis des projets de développement de l'avant, des femmes qui sont dans des secteurs technologiques. Et ce n'est pas étranger d'avoir 3 femmes entrepreneurs dans le secteur technologie. Ça a été choisi, évidemment. 3 finissantes, d'ailleurs, diplômées de l'UQTR, des femmes donc, qui sont dans le secteur des technologies, qui vont pouvoir réagir suite à ça. Mais on pense que c'est important de montrer ces modèles-là de réussite d'entrepreneuriat féminin dans les secteurs technologiques pour démystifier puis montrer aux femmes qu'elles sont capables de foncer, un peu comme Michel Boisvert et Marc le soulevaient précédemment. Ça fait le tour. Si vous voulez consulter les rapports sont disponibles sur mon site Internet, dont l'adresse est là. Le rapport que Marc présentait également est disponible à cet endroit, donc vous pourrez le télécharger subséquemment. Et ça serait le moment de laisser la place aux entrepreneurs. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais il y a tellement d'éléments intéressants. On a tellement envie de réagir, de rebondir à ce qui a été dit. Et vous n'avez même pas encore entendu nos 3 femmes panélistes. Ça va ajouter de la matière. Prenez des notes. N'oubliez pas, on veut avoir vos questions. On veut avoir un échange avec vous. Ça s'en vient. Je vais les présenter, non pas dans cet ordre-là, mais dans l'ordre où elles sont à la table. Alors, Madame Trépanier d'abord. Chantal Trépanier, rapidement, on va vous demander de nous décrire votre parcours à vous. Monsieur Saint-Jean n'est pas rentré dans le détail, mais on a un exemple de entrepreneuriat, c'est Diane Chéni qui est au bout de la table. On a un exemple dans ces 3 femmes-là d'une entreprise en démarrage, bon, 2013, c'est quand même pas l'année dernière, c'est l'exemple de Mme Sylvie Rioux qui vient d'un milieu vraiment typiquement masculin, je veux pas entrer dans les stéréotypes de genre, mais quand même ingénieure, c'est son cas, elle travaille en plus dans la révolution industrielle 4.0, c'est un exemple. Et on a Chantal Trépanier qui est une entreprise, une entrepreneur bien établie, qui a beaucoup d'ambition. Je vais vous laisser parler de votre entreprise, Mme Trépanier, maintenant. Merci. D'abord, merci de m'avoir invitée. Tantôt, on parlait d'être finissant du QTR. C'est vrai que je suis une finissante du QTR, mais j'ai fini en arts plastiques. C'est pas par là que ça vient. Là. Bon, j'ai fait une maîtrise en gestion, là, mais quand même, j'ai quand même un parcours complètement atypique. J'étais une enseignante. J'enseigne à l'université, d'ailleurs, ici. Et ce qui m'est arrivé dans mon parcours, c'est tout simplement me retrouver dans une... l'entreprise dans laquelle j'étais appartenait au Collège Shawinigan, qui a décidé à un moment donné de privatiser son service aux entreprises parce que c'était déficitaire, que ça ne fonctionnait pas. J'avais eu le temps de passer 2 ans là-bas, le temps d'avoir plein d'idées pour voir ce qui était possible d'être fait. Alors, quand le Collège a privatisé CIM, moi, j'ai dit, ben moi, là, je sais ce qu'il faut faire avec cette entreprise-là. Et je dirais que dans la première année, j'ai ramené la croissance. Et ce qui a été très significatif, c'est une idée que j'ai eue. Parce que historiquement, nous étions des formateurs en santé sécurité, des consultants. Et à un moment donné, je me suis dit, ouais, mais ça fait pas de sens de faire ça comme ça. On serait capable de travailler, de créer une communauté d'affaires. Nos clients étant Alcoa, ArcelorMittal, Rio Tinto, Rolls-Royce, Pratt & Whitney, ce type d'entreprise-là. Je dis, si on créait une plateforme où ces entreprises-là travaillaient dans un même contenant pour qualifier les sous-traitants qui vont faire des travaux chez eux et s'assurer que les employés qui viennent sur le site
sur leur site ont les formations santé-sécurité qu'il faut, au lieu de faire plein de duplications et tout faire sans papier. Bien, la suite Conibox a été créée comme ça et ça a été changement total. Aujourd'hui, je ne pense pas que je serai encore entrepreneur et dans une entreprise comme elle était historiquement. Moi, je suis vraiment une fille de TI. Je carbure à la croissance, au projet, à l'international. Et cette plateforme-là, on est rendu dans 30 pays. On a 120 employés qui sont à Shawinigan. On est en forte croissance. On est dans la région de Shawinigan, un des plus gros employeurs maintenant. Alors, voilà. Il a été souvent question dans les recherches d'ambition que les femmes, des fois, on en a peut-être moins, qu'on se fait pas confiance. Moi, j'ai retenu que vous vous êtes dit dès le départ, moi, je sais quoi faire. On va y revenir. Ouais. Sylvie Rioux, vous êtes ingénieure. Je vais vous laisser parler de votre parcours à vous. Alors, bonjour à tous. C'est vraiment un bonheur pour moi d'être ici. Moi également, je suis une finissante de l'UQTR en pâte et papier. Donc, alors moi, mon parcours, bien, mon premier métier, vous allez rire, je suis encore ingénieure forestière. J'ai travaillé quelques années en forêt et j'ai eu la chance, à un moment donné, de travailler en usine. Et là, j'ai découvert que j'aimais beaucoup ça, finalement, faire du génie de procédé. Alors, c'est pour la raison pour laquelle je suis retournée à l'école en pâte et papier. Et finalement, récemment, j'ai passé 20 ans au Saguenay-Lac-Saint-Jean et je suis revenue ici, en Mauricie, parce que j'aimais beaucoup la région. Et avec mon conjoint, Bertrand, qui est ici. Et à l'époque, je travaillais pour la grande industrie, donc les clients de Chantal. Et finalement, j'ai eu la chance et la malchance d'être remerciée de mon emploi. Et pendant peut-être 10 ans, j'avais ce rêve dans ma tête de partir mon entreprise, mais je n'avais jamais osé faire le grand saut parce que j'avais la sécurité, j'avais le fonds de pension, j'avais les bons salaires et tout. Alors, finalement, cette malchance s'est transformée en chance. J'ai décidé de me lancer à mon compte, comme Chantal, dans le service au départ. Et parallèlement à ça, il y a mon conjoint Bertrand qui, lui aussi, est finissant ici à l'UQTR, qui lui a terminé en informatique. Et moi, je travaillais en usine, je faisais des projets d'amélioration. Lui, il avait sa boîte en informatique, il a parti, il faisait du service pour des entreprises manufacturières, entre autres. Et là, on a vu quelque chose poindre à l'horizon. Et on a vu vraiment une opportunité se présenter. Puis là, c'est Bertrand qui m'a, le côté masculin probablement, qui m'a sorti de ma zone de confort puis dire « Écoute, peut-être qu'on devrait fusionner nos entreprises, donc Andromédia Technologies et Amélioraction, les fusionner ensemble parce qu'on voit une opportunité qui se présente. » Puis moi, je le voyais dans les usines. Écoutez, des usines peu informatisées, peu modernes, des gens qui courent comme des poules pas de tête, comme je dis toujours, à aller chercher des données, avoir de l'information, courir après la qualité, la santé et sécurité. Là, je me disais, écoutez, ça n'a pas de bon sens, il faut faire autrement. Alors, bref, c'est pour ça aujourd'hui que nous, on est une jeune start-up de personnes dans la quarantaine avancée qui avons laissé notre sécurité d'emploi pour aider finalement les gestionnaires d'usines à prendre le virage de la quatrième révolution industrielle. Nous sommes maintenant localisé au DJ Hub de Shawinigan. Plusieurs d'entre vous connaissent le troisième pôle du numérique. On est une petite équipe de 5. On est en forte croissance, nous aussi. Et on est à la recherche de personnes qui sont passionnées par les mathématiques et qui s'intéressent à l'intelligence artificielle parce que nous, c'est ce qu'on veut proposer à nos clients dans les prochains mois et les prochaines années. Alors, merci. Voilà. Merci, Mme Rioux. Et notre dernière panéliste, je l'ai présentée un peu sommairement comme celle qui a repris une affaire parce que ça a été abordé dans les sujets, mais elle est également CPA, comptable agréée, d'abord associée dans une firme comptable, et vous vous êtes lancée dans une entreprise. Vous êtes maintenant présidente de Progy.com, Diane Cheney. Oui, effectivement. Alors, on a trois parcours totalement différents. Moi, j'étais associée dans un bureau comptable, Sanson Bélair, Deloitte et Touche. J'ai toujours été très ambitieuse, alors je ne suis pas très contente de voir les études. On n'est-tu pas représentées, les filles? J'ai toujours été très ambitieuse et j'étais montée associée dans un grand cabinet. Et effectivement, l'opportunité est arrivée d'acheter Progy. Puis c'est arrivé un peu, je vais vous le compter,
suis obligée de vous le compter, finalement. C'est... Alors, moi, j'avais une grande clientèle et Progy faisait partie de ma clientèle. Et là, ma cliente, à l'époque, était une femme. Et elle aussi, elle voulait vendre. Elle avait décidé qu'elle en avait assez. Puis qu'elle voulait vendre son entreprise. On avait tenté de la vendre. Et nous, il faut dire, on compétitionne beaucoup avec des très grandes entreprises mondialement. Je vais vous expliquer ce qu'on fait un peu plus tard. Donc, elle avait décidé qu'elle vendait. Le processus de vente n'a pas bien été. Elle voulait vendre localement. Ça ne s'est pas bien passé. Elle voulait vraiment vendre à ses employés. Puis, ils n'ont pas levé la main, les employés, malheureusement. Alors, je prenais une marche avec mon mari, le chien. Il faut marcher le chien tous les soirs. Et je disais, j'ai cette valeur, il y a une belle entreprise émergente. Je trouve ça très dommage. Elle va être vendue à des Américains. Et j'avais vécu des cas où, quand on vend à des Américains, mais il n'y en a plus de business à Trois-Rivières. Ou il n'y en a plus même au Québec. Je prends l'exemple de Crocs. Crocs, ça a été fait au Canada, ça a été fait au Québec, il n'y a plus une usine au Canada, là. Mais on en vend beaucoup à travers le monde. Donc, je disais, cette valeur, elle va quitter. Puis là, mon mari, tout bonnement, il me dit, ben écoute, c'est si belle que ça, achète-la. Fait que trois jours plus tard, j'écoute, t'as créé un monstre, mon ami. Oui, ça m'intéresse. Et moi, j'avais toujours, mon mari était entrepreneur également, j'avais toujours été le côté stable de notre couple. C'est moi qui avais la job stable, qui livrait le salaire stable. Mon mari avait eu des bonnes et des mauvaises années. Mais j'ai dit, t'es-tu prêt maintenant à assumer le fait que je ne serai plus là, stable là, et que là, mon fonds de pension, il s'en va là et que là, je sors de ma zone de confort. Moi, en tant que consultante, c'était quelque chose que j'étais prête à faire. J'étais prête à me dire, bien, moi, je dis que je suis bonne à tout le monde, à tous mes clients, je leur donne des conseils. Suis-je vraiment là? Et suis-je capable de dire, de le faire, de dire ce que je fais? Walk the talk, comme on dit en anglais. Et l'entreprise avait 18 employés. Je trouvais qu'elle était très émergente. On l'a montée maintenant à 70. J'ai des ambitions de la monter très loin. J'ai une équipe extraordinaire. On est 70 personnes qui sont totalement dévouées et je trouve ça m'allume. Chantal, c'est les projets. Moi, c'est de voir les gens progresser, c'est de voir l'entreprise progresser. Est-ce que je suis assez ambitieuse? Ça, c'est une question que je me suis posée tout à l'heure. Qu'est-ce que je dis aux gens quand les gens me demandent « c'est quoi la croissance que tu vises? » Je vise haut, mais est-ce que c'est ce que je dis à mes banquiers? Non. Croissance stable. J'ai plus de dette d'ailleurs, j'ai tout payé. J'ai tout mis mon fonds de pension là-dedans, j'ai tout payé. Et maintenant, on est reparti sur des bons points. Nous, on est dans le domaine informatique. Donc, on touche particulièrement un domaine qui est très niche, des produits spécialisés pour les compagnies d'assurance et leurs partenaires d'affaires. Je tiendrai à saluer. Je vois beaucoup de femmes entrepreneurs. Je trouve ça le fun que vous soyez là. Je vous considère comme mon appui aujourd'hui. Beaucoup de femmes, point. Et c'est le fun aussi de voir des hommes qui se sont déplacés pour l'occasion. Là, j'aimerais juste vérifier où sont les deux micros qu'on a prévus qui allaient pouvoir se déplacer dans la salle. Il y a deux micros là-bas. Alors, à partir de maintenant, vous levez la main quand vous voulez poser une question parce que vous êtes ici pour ça. On en a une question là-bas, mais je pense qu'on va commencer avec vous. Parce que moi, je pourrais rebondir partout. Il y a plein de choses qui m'allument, mais je vais me déplacer d'abord. Alors, peut-être juste rapidement, votre nom, vous venez de quel domaine? Bonjour, je suis Andréanne Guilbert, je suis coordonnatrice des communications à la Chambre de commerce et d'industrie de Trois-Rivières. J'ai une question pour Mme Chaney. Je trouve votre histoire très inspirante. Je me demande, à travers l'opportunité qui vous a été offerte, est-ce que vous connaissiez quelque chose dans l'informatique? Mettons, avant de... tu sais, l'opportunité, c'était, oui, intéressant, mais si on ne connaît rien dans le domaine, on le fait quand même? Ben non, je ne sais absolument toujours pas comment programmer, d'ailleurs. J'ai acheté « Comment programmer pour les nuls », mais j'ai vite compris que je resterais nulle. Donc, non, je ne connaissais pas ça. Ce que je voyais comme fit de compétence, c'est que l'entreprise était gouvernée par des gens qui avaient peu de formation en gestion, donc étaient très limités par ça. C'était d'excellents visionnaires, avaient fait de bons projets, de bons travaux, mais limités de par ça. Et le deuxième point, ils ne parlaient pas anglais. Donc, n'était pas capable non plus d'amener ça outre. Donc, nous, maintenant, on vend aux États-Unis, on vend au Canada, le reste du Canada. Nos partenaires sont particulièrement en Ontario. Donc, c'est le fit que je voyais. Je voyais que j'étais capable d'apporter une gouvernance, structurer l'entité corporative, la préparer pour la croissance et la faire croître avec l'équipe.
peut-être s'entourer également. Je sais que vous avez une équipe que vous appréciez beaucoup. Je vous voyais l'année passée au Gala Radisson le mentionner. On va peut-être revenir avec vous, Mme Trépanier. Vous avez une très grande entreprise. On ne se rend probablement pas là en claquant des doigts. Sur votre chemin, quelles entraves ont été les principales que vous avez observées? Et là, je vais faire appel à l'entrepreneur féminine que vous êtes. Quelles sont ces entraves-là, comme femme, que vous avez peut-être croisées sur votre chemin? Moi, je n'ai pas eu comme femme, honnêtement. Là, j'ai jamais rien senti. Je sais qu'à un moment donné, Étienne nous sortait des statistiques avec une photo de fille, une photo de gars, dans une recherche de financement, puis Étienne nous disait qu'il y a une différence. Moi, honnêtement, j'en ai pas eu. J'ai été élevée avec des hommes, des garçons, là, mes frères, j'ai juste des frères. Le milieu des TI, c'est un milieu masculin. Moi, je dirais que les obstacles que j'ai eus ont été des obstacles de croissance. Puis moi, ma recette, ça a été de m'entourer de... Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mentors. Je suis mentor moi-même maintenant, là. Mais j'ai toujours eu... J'ai structuré mon département RH, je me suis trouvé une gourou RH à Montréal qui est encore en lien avec moi, que j'appelle Marie-Carmen quand il se passe quelque chose. Là, je suis en train d'amener ma compagnie à un autre niveau avec une autre étape. Bien, j'ai du monde autour de moi à qui je parle. Je pense que les obstacles, que tu sois un gars ou une fille, être bien entouré, là, on n'est pas... Diane est une gestionnaire très structurante, comme elle dit, formation comptable. Moi, je suis plutôt une visionnaire, une développeuse. Moi, j'ai vraiment besoin de m'entourer de quelqu'un là, qui s'occupe de mes chiffres parce que c'est la partie de ma compagnie qui m'intéresse le moins. Moi, c'est le développement. Mais il y a quelqu'un qui s'en occupe. Il y a de la passion dans les autres domaines. Peut-être voir avec Mme Rioux. J'aurais un point à ramener là-dessus. Moi, ce que je trouve que j'ai vécu comme entrepreneur et comme quand j'étais dans une entreprise, c'est souvent le regard des autres. Quand on est ambitieux, puis on se donne dans notre travail, souvent je me faisais dire, ben écoute, puis ça, j'ai hâte que ça parte. Puis ces stéréotypes-là, ben moi, ma femme a décidé de s'occuper des enfants. Nous, on a fait le choix de s'occuper de nos enfants. Comme si on est en affaires, on est entrepreneur. Puis nous, nos enfants, on s'en fout. On s'abandonne. Ben oui, gardons ça. Oui. Puis apprenons à déléguer, tu sais, le ménage, puis tout ça, là. Puis oui, si la chambre, ben, je vous dirais, c'est pas... je dirais pas sale chez nous, là, mais... Il y a des fois des choses qui traînent, là, tu sais, fait que... Puis j'en fais pas un cas, puis je choisis mes batailles, puis j'ai toujours eu un choix très fort envers la famille. Puis ce que j'aime le moins, c'est quand on me dit encore, ben nous, on a fait le choix de la famille. Puis ça, c'est pas parce que t'es entrepreneur ou t'es carriériste que tu fais pas un choix pour la famille. Ça, c'est ce que je trouvais le plus dur, c'est ce que je voulais... Et vous avez mentionné aussi, je pense, mesdames, que parfois, les femmes ont un sentiment de culpabilité elles-mêmes qui est très fort, peut-être qui est moins présent chez les hommes. C'est quelque chose que vous observez chez vos collègues, quelqu'un a envie d'en parler ou... Bien, je dirais que définitivement, pour avoir plein d'amis qui sont présidentes, celles qui ont des jeunes enfants, ils ont de la misère avec ça. Là. C'est clair que ça joue. On a des gros congrès, quand il y en a une qui manque, là, c'est toujours. C'est pas parce qu'elle a eu un contrat, une grosse affaire de business, c'est parce que son bébé est malade ou c'est encore ça. Tantôt, on parlait de charge mentale ou de... celles qui ont des jeunes enfants, je pense que c'est encore. Il y a une réalité où quand les enfants sont en bas âge, c'est peut-être difficile à concilier. Par contre, Mme Boisvert l'a mentionné, les jeunes femmes semblent de plus en plus présentes à se lancer en affaires et ça, c'est intéressant. Moi, il y a une chose que j'ai retenue. Oui, il y a du reprenariat. Oui, on souhaiterait, par exemple, qu'une femme qui va prendre sa retraite puisse peut-être passer son entreprise à une autre femme. Est-ce qu'il existe, Mme Boisvert, vous êtes sûrement au courant, des moyens qui sont là spécialement pour les femmes qui ont envie de se lancer en affaires? Ben oui, ben il y a des organisations femmes et sœurs en études. Ici? Il y en a. Nous, je voulais en parler, on va lancer quelque chose. La caisse, d'ailleurs, Chantal va venir nous aider. On va faire exactement la même chose que ce qu'on a fait pour Innover Agir, ce dont je vous avais parlé. On a invité une quarantaine de femmes, des femmes comme Chantal, certaines qui sont en croissance, certaines à un grand stade de croissance, et on va leur demander qu'est-ce que vous avez besoin pour propulser votre croissance encore plus. Nous, ce qu'on veut, c'est justement prendre des gens comme ça, les faire croître davantage et servir de modèle pour les plus jeunes. On veut vraiment faire la boucle, développer des modèles inspirants, parce que ça, on en a besoin. On a besoin, les femmes, toutes les femmes le disent, elles ont besoin de modèles inspirants. Donc, le 29 janvier, on va se réunir à Montréal. Des femmes, encore une fois, de toutes les parties du Québec, et on va vous faire connaître. On veut s'abreuver
de votre expérience, puis ensuite, on va mettre en œuvre les priorités que ces femmes-là vont nous. C'est paradoxal parce que des femmes en affaires, en ce moment, il y en a un petit peu moins que des hommes en affaires. Elles concilient le travail avec l'équilibre travail-famille. On voit qu'il y a une différence encore. Et on demande en plus à ces femmes-là, comme vous, d'être des modèles. Pourtant, c'est important. Je pense, Mme Rioux, vous l'avez mentionné, ça a manqué, vous, dans votre vie, d'avoir des modèles féminins. Bien, écoutez, moi, quand j'ai commencé ma carrière, j'étais toujours la première. La première femme en usine, la première femme en forêt, la première femme. J'étais tout le temps toute seule. Alors, c'est sûr que, comme on a mentionné, on arrive, nous, avec notre ambition, notre énergie, notre passion, puis des fois, on se fait comme rabattre la joie par les autres personnes qui, eux, ont leur perception de nous. Alors, moi, je partais avec plusieurs prises à plusieurs niveaux. J'étais une femme, j'étais jeune, je venais de la ville, bon, j'étais zéro crédible. Bien, moi, tu sais, j'étais dans ma bulle, ça allait bien, mais des fois, on se fait remettre à notre place un peu. Mais au niveau des affaires, bien, moi, ce qui m'a aidée, justement, c'est Femmes et Sœurs. Je me suis impliquée au début de ma carrière d'entrepreneur avec Femmes et Sœurs. Puis, je trouvais ça très inspirant de voir d'autres femmes qui ont réussi en affaires. Puis, c'est pour ça que c'est un beau mouvement, Femmes et Sœurs. Puis, j'espère que ça va rester. Vous n'hésitez pas. J'ai une main levée là-bas. Allez-y. Bien, ma question, en fait, enchaîne très bien avec tout ce que vous venez de commencer à parler, mais j'aurais aimé ça vraiment entendre plus. Les pistes de solutions que vous avez à date identifiées pour pouvoir vraiment supporter cette charge familiale-là qui, oui, est présente et qui fait une différence en bout de ligne. Parce que quand on dit que oui, on se met qu'on coupe dans les 5 à 7 de réseautage pour développer les affaires, oui, c'est la première affaire qu'on coupe parce qu'à un moment donné, ça ne marche plus. Et puis, il y a une deuxième affaire, puis ça, c'est vraiment un autre volet. Quand vous avez parlé que les femmes ont beaucoup plus des entreprises où est-ce qu'elles n'ont pas d'employés, mais c'est plus le « moi, Inc. », est-ce que ça ne traduit pas aussi la nouvelle tendance à dire, bien, c'est vraiment le « moi, Inc. », puis moi, oui, je peux être un élément clé dans une entreprise, mais je suis d'abord moi en tant qu'entreprise. Mais ça, c'est un autre volet. Donc, je ne sais pas si des mesures fiscales peuvent être pensées ou en tout cas sont déjà mis de l'avant pour dire, bien, écoutez, dans quelqu'un qui est en démarrage d'entreprise ou en grande croissance, est-ce que ça ne serait pas facile de dire, bien, écoute, tu as déjà des dépenses dans ton entreprise que tu récupères, est-ce que tu ne pourrais pas embarquer le ménage de chez vous dedans? Là, il me semble que c'est un pet dans l'océan. Là, des affaires comme ça. Ou encore, trouver une garderie. Moi, j'ai toujours pensé qu'il n'y avait pas d'autres enfants que les miens à la garderie que j'allais. Parce que quand j'arrivais, il n'y en avait pas. Il était tout le temps les derniers. Puis j'ai dit, qu'est-ce que tu as fait aujourd'hui? J'ai joué avec mes amis. Ah oui, beaucoup d'amis imaginaires. Mais ça pour dire que bien, j'étais la seule parmi 20 parents qui arrivait à 6 heures avec la langue à terre, mais qui, c'est ça. Fait que, mais je me disais, qu'est-ce qu'ils font les autres? Bien, c'est ça, ils ont peut-être fait d'autres choix. Puis dans mon groupe d'affaires de femmes, bien, il y en a beaucoup que quand ils ont eu des enfants, ils ont lâché. Sur 6, il en restait une, à part moi. Puis je coupais, bien, mettons sur 7, donc 2 sur 7. Qui ont perduré avec des jeunes enfants. Est-ce que quelqu'un a un message d'espoir en réponse, peu, s'il vous plaît? Moi, il y avait plusieurs questions. Moi, je trouve que ça amène un peu on s'est vu, là, Michel et moi, dernière fois, au indice entrepreneurial, là, les réseaux M. Puis dans la salle, là, c'est tous des gens qui sont mentorés. Là, c'est un réseau de mentors. Et il y a beaucoup de femmes. Fait que si tu dis, waouh, c'est le fun, il y a beaucoup de femmes. Mais quand tu jases avec ces filles-là, tu réalises que beaucoup ont le profil travailleur autonome parce que ça leur permet de travailler moins, de choisir les journées, de pouvoir être à la maison. Ils font des vêtements pour enfants ou du savon ou des trucs, là. Mais c'est un profil qui est comme une tendance
comme ça, puis souvent, tu leur parles, puis c'est leur chum, lui, qui a la grosse carrière, puis que lui, il est à Toronto, puis il n'est pas souvent à la maison. Fait que comme il va falloir passer ce stade-là, on disait tantôt les faire passer, là. OK, il faudrait que les filles goûtent à ça, mais que ça passe à l'autre étape, parce que ça finit par... On en voit, on en a dans la région, on en a à Shawinigan, on en a partout. Il y a des choses qui démarrent, on évalue les dossiers, on les regarde, mais ça n'a pas de pérennité possible. Fait qu'il faut que... Moi, c'est là que je trouve qu'il faut travailler sur l'ambition de croissance. C'est pas juste de le moi Inc., justement. C'est... OK, le Québec, là, ce qu'il a besoin, c'est des entreprises qui créent des emplois. C'est ça qu'on a besoin, parce que si on se convertit tous en travailleurs autonomes, bien oui, mais c'est pas avec ça qu'on va créer à long terme de la richesse, de l'exportation et tout ça. Fait qu'il y a comme un switch un peu à faire aussi, je trouve, dans la tête des filles là-dessus. Est-ce que quelqu'un d'autre aurait quelque chose à dire? Moi, je voulais juste peut-être mentionner au passage que, bon, étant donné que je viens de la grande industrie, j'ai zéro modèle entrepreneurial dans ma famille des deux bords. J'avais vraiment comme un genre de petit syndrome d'imposteur à combattre. Pour m'aider, j'ai eu le bonheur de suivre la formation de lancement d'entreprise qui est offerte ici à Shawinigan et à Trois-Rivières. Puis ça m'a beaucoup aidé à démystifier la bibitte de c'est quoi être entrepreneur. Puis ceux qui ont le goût de se lancer en affaires, je trouve que c'est une belle formation à suivre parce que ça s'apprend à être entrepreneur. Puis des fois, tu sais, on peut apprendre sur le tas, mais c'est un peu la méthode difficile à la dure. Puis moi, ça m'a vraiment aidé, tu sais, comme à me faire une tête sur c'est qui mes clients, comment que je fais pour trouver des clients, comment je fais pour monter une équipe, etc. Donc, s'il y a des gens ici, des jeunes femmes ici qui rêvent de devenir entrepreneur, bien, je vous conseille la formation. Moi, ça m'a pris peut-être 3 mois. Puis, je me sers encore de matériel aujourd'hui. Formation donnée par Femmes Essor ou par un autre organisme? C'est par la commission scolaire. Je sais qu'il y a des professeurs ici là, qui vont pouvoir me dire exactement là, comment ça s'appelle. Maintenant, ça a changé de nom, hein? Voilà. Alors, vous avez compris, par la Commission scolaire de l'énergie, avis aux intéressés et ES. Il y a une chose qui n'a pas été abordée aujourd'hui, mais que vous avez abordée quand on s'est parlé avant l'événement. Et je trouvais ça intéressant. Parce que oui, là, on a l'air à se dire, quand on a des enfants, c'est pas évident. Il y a un constat, puis je ne sais pas jusqu'à quel point il y a peut-être une réalité qui fait que c'est peut-être plus facile de se lancer en entreprise une fois que les enfants vieillissent, mais on n'ira pas là-dedans. Par contre, vous avez dit, mesdames, les femmes, c'est pas vrai qu'elles sont pas innovantes. Au contraire, parce qu'elles ont l'habitude de faire beaucoup de choses avec moins de temps. Et ça, j'aimerais vous entendre. Je pense, Mme Chenet, vous en avez parlé. Vous le constatez que les femmes sont capables de beaucoup innover, puis il faut se faire confiance là-dedans. Moi, j'ai toujours trouvé, à travers toute ma carrière, que lorsque c'était le temps de trouver des solutions très inusitées, qui étaient en dehors du cadre, souvent, on avait des femmes autour de la table, puis ça sortait. C'était quelque chose de par leur expérience. D'ailleurs, je ne veux pas parler d'une étude, mais Harvard avait même sorti une étude là-dessus. Lorsqu'on avait des femmes dans une équipe, l'intelligence de ton équipe augmentait, l'innovation augmentait. Donc, pour moi, les femmes, c'est très innovant et on n'a pas le choix de délai avec plein d'affaires. On fait plein de choses en même temps. Oui, je pense à la dame qui a posé la question. C'est pas la partie jeune des enfants est difficile. Il faut que tu apprennes à t'entourer. C'est pas tu t'entoures au bureau, mais il faut que tu t'entoures aussi. Et c'est ça qu'on ne fait pas, les femmes. C'est qu'on ne s'entoure pas à la maison. On s'entoure au bureau, mais à la maison, il faut tout faire. Mais, il fallait travailler, l'homme. Moi, délégué à l'homme. On a des parents. Il faut qu'il y ait des agences qui vont se développer de plus en plus pour faire les commissions. On a-tu besoin de faire les commissions? Donc, mais pour revenir... Pour revenir à la question de femme de ménage, ça existe. Pour revenir à la question d'innovation, moi, je pense que j'ai jamais vu quand je fais des équipes, je sais que je fais toujours attention à comment je forme mes équipes. Puis si je veux mettre de l'innovation, il faut que je mette à peu près tous les genres de profils, puis je vais mettre une femme. Alors, il y a de l'espoir là-dedans. Est-ce que quelqu'un veut rebondir là-dessus? On a une question après. Bien, écoutez, l'innovation, moi, si je parle de mon entreprise, moi, ce que j'aime, c'est qu'on est des jeunes, des vieux, des moins jeunes, des gars, des filles, des geeks, des moins geeks, puis le choc des idées jaillit la lumière. Puis je pense qu'une des la force des femmes, c'est justement de travailler en collaboration puis d'essayer de trouver la meilleure idée dans la tête de tout le monde, tu sais, d'unir nos meilleures idées
Puis c'est de cette discussion-là, de choc des idées, que va jaillir la meilleure idée. Puis ça, souvent, c'est ça qui est innovant, même dans nos façons de gérer notre monde puis nos équipes. Tu sais, je pense qu'on a un style de gestion, en tout cas chez nous, je pense qu'on est assez innovant là-dessus. Puis je pense que c'est ça qui va faire qu'on va avoir du succès. On court peut-être plus vite quand on est seul, mais on s'en va beaucoup plus loin quand on est en équipe. Quelque chose comme ça. Il y avait une question ici, c'est vous, hein? Bonjour, Julia Allais, propriétaire d'entreprise depuis 20 ans. Est-ce que le système n'est pas fait en sorte que l'éducation qu'on reçoit encore aujourd'hui dit « Toi, tu es un garçon parfait, tu vas devenir mécanicien, tu vas avoir ton garage un jour. Toi, tu es une femme, tu vas pouvoir t'occuper de tes enfants puis gérer tes petites choses. » L'éducation, à la base, est encore au fait que ben, tu es une femme. Au lieu de dire à nos jeunes, vous pouvez être entrepreneur, vous pouvez bâtir l'entreprise que vous voulez dans le domaine que vous voulez. Est-ce que l'éducation n'est pas un peu en fait, il n'y a pas des pistes de solutions qu'on devrait aller vers l'éducation pour former nos garçons à dire, bien, quand tu vas être plus vieux, là, il va falloir que tu ailles à la maison parce que ta femme, là, elle va être peut-être partie une fin de semaine à Toronto pour gérer son entreprise. Au lieu de dire, bien là, tu peux pas aller à Toronto, tu sais, les enfants, qui va s'en occuper? Moi, j'ai un tournoi avec les gars, tu sais. Bien, je pense que le premier modèle, là, avant d'être à l'école, c'est à la maison. T'sais, si des enfants sont élevés en voyant une maman qui a la charge, qu'on disait la charge mentale plus grande, puis qui en fait plus, bien, le premier modèle est là. On aura beau faire ce qu'on veut à l'école, mais si l'enfant il a appris qu'une maman, ça fait tout, puis papa, ça a une carrière, puis c'est toujours maman qui va à la garderie, bien, j'imagine que la petite fille, elle apprend qu'elle, il faut falloir qu'elle aille chercher les enfants à la garderie, puis que... Son frère, c'est un modèle, je pense, c'est social beaucoup. Là, ce que tu dis. On a tous un rôle à jouer. En fait, finalement, c'est que la femme, on va être beaucoup plus évaluée sur notre rôle de mère que l'entreprise qu'on va avoir bâtie. Mais ça dépend, mais c'est vrai que ça... Bon, je veux dire, je suis pas jeune. Et moi, je suis d'une famille de 5 filles et j'ai eu une mère qui m'a toujours dit, c'est pas parce que tu es une fille que tu es moins bonne qu'un gars. C'est pas parce que tu es une fille que tu n'iras pas à l'université. C'est pas parce que tu es une fille que tu réussiras pas. Et c'est là que ça commence. Je n'ai jamais douté que j'allais faire quelque chose. Jamais, parce que j'ai eu une mère, elle en avait 5, on a toutes fait de l'université. Puis c'était vrai. Fait que je pense que ça commence là aussi. Ça commence beaucoup à la maison. Ma mère a travaillé, était professionnelle du système d'éducation. Puis j'ai toujours un modèle de mère qui travaille. Puis on s'organisait, là. C'était pas... Je pense que le modèle, il commence là. Il y a une question à la maison. Oui, je vais me déplacer prendre une question. Il y avait une dame qui avait une question là. Merci, bonjour, je suis Nathalie Lachapelle, je suis professeure à l'Université TELUC. Je veux juste ramener un point qui m'a intéressée, je m'excuse si je vous ai coupé. Merci. Moi, à l'université, ce qu'on constate, l'université à distance, c'est souvent une deuxième carrière, les femmes qui s'inscrivent dans notre programme cours en entrepreneuriat. Et je pense que le cycle de vie, qui répond un peu à tout le monde, est très important à savoir qu'on fait une deuxième carrière en entrepreneuriat parce que, justement, nos enfants sont grands. Donc, je n'ai pas fait d'études, c'est à venir probablement, mais je pense que ça pourrait être une des réponses sous-jacentes à la problématique. Observation pertinente. Merci beaucoup. On va prendre la question là-bas. Alors, bonjour, je suis Caroline Gauthier. Je suis directrice service conseil dans une firme comptable, Mallette. Je côtoie des entrepreneurs depuis des années. Je l'ai été aussi en tant que banquier dans une vie antérieure. Mais j'aimerais ça savoir, excusez-moi, si la façon de faire des affaires des femmes me charge de je m'en vais ailleurs, est différente. J'entends souvent au niveau des hommes, peut-être d'une génération un peu avant nous, mais tu sais que les affaires se faisaient au terrain de golf, se faisaient... en souper prolongé le soir ou en dîner prolongé avec un peu d'alcool pendant que, justement, les mères étaient à la maison en train de s'occuper des enfants. Eux pouvaient se permettre de faire des choses comme ça. Même moi, aujourd'hui, des fois, je reçois des invitations de clients dans lesquels je suis mal à l'aise. Et je me pose tout le temps la question, est-ce que c'est normal que ça me crée un malaise? Parce que je le sais que mon collègue masculin, lui, n'aurait pas de trouble à accepter cette invitation-là. J'aimerais savoir votre opinion là-dessus. Bien, quand tu as dit ça, j'allais dire la bonne nouvelle, c'est qu'on a arrêté de jouer au golf. Ça, c'est vrai, ça a changé vraiment beaucoup, là. Puis d'aller aux danseuses. Ça, c'est vrai. Non, mais c'était ça. Non, mais c'est ça, une bonne c'est l'évolution aussi. Oui, c'est la présence des filles sur le marché, là, de
de l'entrepreneuriat, mais c'est aussi ce qu'on disait, c'est réel quand même. Là. Les gars, ils passent plus de temps à la maison, ils en prennent plus. Ils ont moins de temps, eux autres aussi, d'aller dans des 5 à 7 puis faire plein de social. Puis le golf s'est rendu un peu off, là, tu sais. Heureusement. Mais c'est une bonne question. Je serais curieuse de t'entendre, Chantal. Moi, dans mon domaine, souvent, j'ai à inviter un client qui est un père de famille, puis je l'invite à souper. Moi, si je suis une femme, bien, j'invite un gars pour souper. C'est quand même embêtant. Là. Tu me dis, c'est quand même... là. Qu'est-ce qu'il va penser? Puis toi, comment tu vis ça? Comment tu le fais? Ou j'invite pas? En fait, c'est beaucoup plus des lunchs. Effectivement. Là. Ça aussi, ça a changé. Avant, c'était des lunchs interminables avec beaucoup d'alcool, ben, beaucoup d'alcool, du vin et tout. Maintenant, c'est changé. Les lunchs sont plus courts, sont plus... tout le monde a fait plus attention à sa santé aussi. Fait qu'on a comme changé de beat là-dessus. Et l'autre chose qui a changé énormément chez mes clients, en tout cas, c'est qu'il y a des codes d'éthique vraiment beaucoup plus sévères. Quand on invite un client, il faut y signer quelque chose. Il faut qu'il obtienne l'autorisation de Glencore parce qu'il y a une politique d'éthique Glencore internationale. Quand on fait que ça aussi, ça a aidé tous ces débordements-là. Là. C'est vraiment plus... Puis moi, mes affaires sont beaucoup à Montréal. Puis à Montréal, les gens avec le trafic, là, ils n'en peuvent plus. Ils ont juste hâte de sortir de la ville. Fait que c'est moins... Mais je pense que c'est un territoire qui reste encore gris. Il faut qu'on jauge, il faut qu'on se trouve des alliés dans notre propre entreprise, y aller à deux. Puis des fois, il ne faut juste pas se gêner. Comme tu dis... S'ils présument de choses qui sont incorrectes, bien là, c'est de ramener ça rapidement. Puis moi, je porte mon alliance. Une fausse alliance, pour peut-être, ça. Pour celles qui ne sont pas mariées. Là, on va bientôt manquer de temps. Alors, en rafale, pensez à vos questions. Levez-vous, parce qu'on va en prendre le plus possible avant la fin. On en a une là-bas. Une question peut-être un petit peu plus sérieuse, mais une des particularités de l'entrepreneuriat féminin, c'est la question du financement. Je ne veux pas aller dans les détails, évidemment, je ne veux pas des secrets révélés, mais je serais curieuse de voir comment vous avez abordé cette question-là du financement. Étant femme, bon, avec les particularités qui viennent avec, mais j'aimerais savoir aussi si vous parlez de croissance, donc quand on parle de croissance, on parle de la question du financement. Est-ce qu'aujourd'hui, ou il y a 10 ans, ou il y a 15 ans, par rapport à aujourd'hui, vous avez l'impression que les choses ont changé par rapport au domaine financier et votre propre ambition et votre background et le fait que vous êtes femme pour donc aller chercher ce financement-là? Moi, ça ne m'a jamais bloqué. Moi, personnellement, j'ai monté mes plans d'affaires. Ben, ça, c'est peut-être ma force. J'ai monté mes plans d'affaires. J'étais structurée. Je savais où je m'en allais. Puis, je sais encore où je m'en vais. Fait que quand je me présente aux banquiers, c'est à eux à me présenter que c'est la bonne banque. Oh! C'est bon! Oh, c'est bon! Moi, côté financement, parce que je... Justement, pour bâtir notre initiative, j'ai beaucoup lu, j'ai fait faire des recherches. Et on en parlait tout à l'heure, je pense que c'est Étienne qui en parlait. On dit souvent, c'est vrai que plusieurs femmes ont l'impression qu'elles ont de la difficulté à aller chercher du financement, mais les recherches ont démontré que ce n'est pas une question de genre, mais plus une question de secteur. Le gars coiffeur va avoir autant de misère que la fille coiffeuse à aller se faire financer. Et comme les femmes sont encore essentiellement dans le secteur des services, plusieurs femmes ont l'impression que c'est parce qu'elles sont une femme, mais en tout cas, moi, ce que j'avais comme recherche, c'était qu'il n'y avait rien qui statistiquement pouvait prouver qu'il y avait une discrimination pour le genre. C'est plus côté secteur, ça, donc c'est une première chose. Et encore une fois, je pense qu'une fois qu'on est entré dans la chaîne entrepreneuriale, je ne sais pas si vraiment il y a beaucoup de différences. Peut-être toi, Chantal, tu pourrais... Ben moi, je me suis arrangée tout de suite pour que ça soit rentable, puis je n'ai jamais d'ennuis financiers. Là. J'en ai jamais eu, j'ai pas... Ceci dit, je n'ai jamais eu de besoin de financement. Moi, je suis complètement... J'auto-finance tout mon développement. Ceci dit, moi, je suis juge sur souvent des concours où des femmes postulent, soumettent leur dossier pour gagner un prix et quelque chose. Et tantôt, je disais, la partie de ma compagnie qui m'intéresse le moins, c'est les chiffres, mais je m'entoure de monde, par exemple, puis moi, il y a quelques chiffres qui m'intéressent, mais ceux-là, je les suis de proche. Et ce que je remarque, c'est que les dossiers présentés par les filles, visiblement, il y a une faiblesse sur la proximité des filles avec les chiffres.
Mais quand les dossiers sont présentés, puis là, je me mets dans la place d'un banquier, là, ça n'a peut-être même pas rapport qu'elle s'appelle Sylvie ou pas, là, mais les dossiers, moi, j'en vois, sont soumis, ils ne sont pas sa coche là-dessus. Tu vois que... Il y a de la créativité, il y a des projets, il y a du développement, ils ont des idées. Mais la partie solidité de « ça va-tu être rentable, puis dans combien de temps, puis le plan, c'est beaucoup, c'est pas encore là. » Puis moi, j'en parlais comme d'un « s'il y a quelque chose à faire dans le réseau des femmes d'affaires, s'il y a quelque chose à faire pour aider les filles, il faut les amener à être plus proches de leur chiffre. » C'est sans doute pour ça que Diane, ça a été, c'est pour ça qu'elle est capable de dire ça, parce que les chiffres, c'est comme ça sa première passion, là. Mais généralement, il y a un bout... pour en analyser plein de dossiers, là, il faut constater qu'il y a une faiblesse de ce côté-là. Donc, la préparation. Il faut que les gens arrivent préparés. Il faut que tu connaisses depuis quand. Il faut que tu dégages la même chose que... Même quand tu te présentes devant un client, il faut que tu dégages. Tu es capable de le faire. Maintenant, c'est à toi de me présenter si tu es mon bon partenaire. Bien, moi... Tranche de vie, nous, on est là-dedans en ce moment. Oui. En tant que jeune start-up, on est dans notre démarche de financement, comité express, puis là, on apprend tout le jargon, puis les programmes, puis ci, puis ça. Et je rêve d'un jour du fameux guichet unique qu'on parle depuis 20 ans pour l'entrepreneur. Là. Je rêve un jour que ça arrive, ça, dans notre vie d'entrepreneur, parce que c'est quand même compliqué et fastidieux là, de faire tout. Moi, j'appelle ça le chemin de Compostelle de l'entrepreneur. Donc, là, tu prends ton bâton du pèlerin, là, tu vas au fédéral, tu vas au provincial, tu fais tel programme, tel formulaire. Puis là, ça se parle pas, tout ce monde-là. Là. Fait que là, tu présentes une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Là, je pense que je suis rendue à cinq fois. Là. Puis un jour, ça va aboutir. Mais c'est pas une question de genre. Non, pas du tout. Okay. Pas du tout, parce que moi, je suis avec mon conjoint, puis on présente, puis c'est le même parcours du combattant et de Compostelle. Et finalement, ben c'est ça, on espère que ça va aboutir un jour, mais c'est parce que nous, on est dans un domaine technologique où le temps, nous, c'est une course de rats. Là. Si on le fait pas, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à notre place, comprenez-vous? Alors, c'est difficile d'allier... Compostelle, puis course technologique, tu sais, ça fit comme pas. Là. Nous autres, il faudrait qu'on soit en... Donc, c'est cela. Alors, donc, pour nous, c'est un grand défi, puis les gens, les fonctionnaires avec qui on fait affaire sont pleins de bonne volonté, sont super gentils, puis tout ça, mais tu sais, c'est pas la même vitesse que nous, là. Bon courage. Merci. Je pense que, comme il est 12h30, on va devoir bientôt remercier officiellement tout le monde. On va d'abord inviter Mme Michèle Boisvert qui veut prendre la parole. D'ailleurs, c'est la Caisse de dépôt et placement qui vous offre ce merveilleux dîner. Alors, on va profiter pour le remercier. Bien, écoutez, je ne prendrai pas beaucoup de temps. D'abord, pour vous remercier. Pour vous remercier de vous être déplacé, remercier tout le monde d'avoir participé. J'ai envie de vous dire, bien, premièrement, on a appris beaucoup de choses. Moi, puis on le voit. Je pense que l'expérience le dit. Une fois que les femmes sont entrées dans la chaîne entrepreneuriale, elles ont le même niveau d'ambition. Elles sont capables de réussir. Donc, je pense qu'il faut des modèles. Il faut les mettre de l'avant davantage pour que les jeunes femmes puissent s'identifier. Et peut-être, je pense qu'il faut aussi, et ça j'y réfléchis de plus en plus, peut-être parler d'entrepreneuriat un peu différemment pour justement que les femmes et les plus jeunes se reconnaissent et aient envie justement de joindre tout ça. Parce que quand on l'a vu, les femmes se disent « non, moi c'est pas pour moi ». Mais je pense que si on parlait d'entrepreneuriat et les plus jeunes comme contribuer, t'sais, plutôt parler toujours d'entrepreneuriat en termes de financier, de réussite financière, contribuer, s'accomplir, collaborer. Les jeunes, vous êtes beaucoup dans l'économie circulaire, dans faire... Je pense qu'il faut de plus en plus parler d'entrepreneuriat aussi sous ces termes-là. Et je pense que c'est là que plusieurs jeunes femmes et plusieurs jeunes vont dire « oui, ça me tente, oui, j'y vais, oui, j'ai ma place ». Si on parle d'entrepreneuriat juste en termes de réussite spectaculaire et financière, ça ne parle pas nécessairement aux femmes, puis peut-être de plus en plus aussi aux jeunes qui ont envie beaucoup plus de faire une contribution et d'avoir un équilibre travail-famille. Fait que je pense qu'on a, nous, un devoir de parler d'entrepreneuriat peut-être différemment. Il y a plusieurs modèles d'entrepreneuriat et il faut y parler plus en termes de diversité de modèles. Et c'est comme ça qu'on va encourager un plus grand nombre. Et ce qui est le fun chez les jeunes, c'est que vous travaillez de plus en plus en équipe et que les entreprises sont maintenant formées
pas juste d'un propriétaire unique, mais de plusieurs, et souvent, c'est des tandems hommes-femmes. Et moi, là-dessus, je le dis et je le répète, je suis extrêmement encouragée. Merci beaucoup. Alors, merci. On a eu droit à de beaux échanges. On a beaucoup parlé de modèles. Il y en avait plusieurs ici présents. Merci de vous être déplacés. On comprend que vous êtes des personnes très occupées. Je remercie également et je salue le travail des gens de l'Institut de recherche sur les PME, Étienne Saint-Jean, Marc Duhamel, qui ont travaillé fort en collaboration avec leurs collègues pour réaliser ça ici aujourd'hui. Et on nous disait que c'était peut-être une des premières fois que l'Atrium était plein, à pleine capacité pour un événement. Alors, bravo. Merci à vous tous et toutes de vous être déplacés. Il y avait des gens aujourd'hui de tout horizon. Je vois des gens du milieu culturel. Vous l'avez dit, vous êtes de Shawinigan, Trois-Rivières. J'espère que vous avez été inspirés, que vous allez repartir avec ça, soit pour vous lancer en affaires, soit pour contribuer à échanger sur la situation et améliorer la place des femmes en entrepreneuriat. Merci beaucoup. À la prochaine. Merci à vous.